Paris, la Tour Eiffel, le Champ de Mars. Impossible de faire plus symbolique pour parler d'amour entre les hommes. C'est donc là que Seip voulait démarrer sa chaîne humaine dessinée sur les pelouses. C'est là qu'il peut aussi diffuser à très grande échelle son message de fraternité. Le but aussi de ce projet-là, c'est de rendre l'art accessible à tout un chacun, au grand public, par des fresques qui sont monumentales. Sauf qu'il faut un peu des ailes pour le voir, quoi. C'est comme dans la vie, il faut prendre du recul. Au sol, on devine les mains entrelacées, mais c'est bien en hauteur qu'elles se dévoilent, vues du ciel ou du sommet de la Tour Eiffel. Et pour la seconde fois, l'artiste a choisi de dédier son travail à l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants. Nous, c'est l'association qui nous tient à cœur et on avait bossé avec eux, ça avait hyper bien fonctionné avec eux à Genève en 2018. Du coup, on avait envie de remontrer un coup notre soutien et c'était une fois de plus, tu vois, pour nous une sorte de win-win parce que ils nous donnent on a des volontaires aussi qui viennent nous aider, des bénévoles. Donc ça c'est toujours pareil, on bosse dans l'humain, donc c'est cool pour nous. La curiosité, l'adhésion à la cause ou l'envie de rencontrer l'artiste ont même poussé certains à venir prêter main forte à Seip. Il est sensible, on le voit souriant, ouvert, accueillant et qu'on a du coup envie de lui donner un coup de main. Et puis la démarche hein, qui est fort louable parce que SOS Méditerranée, donc je ne peux pas rester insensible. Moi j'ai 18 ans d'Afrique derrière moi, donc c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et comme faire de l'art pour l'art ne suffisait plus à l'équipe, délivrer un message devenait une urgence. On voit aussi en ce moment l'état de notre planète qui se dégrade, donc forcément ça touche, ça rapproche et puis... Je pense que c'est important de faire passer, c'est une belle manière de faire passer un message. Ensemble, on est plus fort que tout et on arrivera à gagner tous les projets que la Terre elle veut réaliser. On y arrivera si on est tous ensemble. C'est pour ça que notre projet s'appelle Beyond Walls. Beyond Walls, donc pour voir au-delà des murs. Et c'est donc à partir de plus de 200 photos de mains que Seip a imaginé cette longue chaîne humaine au départ de Paris. Le symbole des mains qui se tiennent, il nous va bien et on l'a trouvé comme ça, quoi, juste en discutant. C'est notre côté, c'est une sorte de fraternité. Quoi. Jusqu'au bout, on sera comme ça. Je dis pas que je suis le pro de l'écologie, le pro de la fraternité, etc. Mais je pense que c'est important qu'on soit un petit peu ce qu'on essaye de représenter. La Tour Eiffel a donné le top départ. L'artiste va poursuivre la chaîne très bientôt à Andorre, Genève et sans doute Berlin, qui fêtera justement cette année les 30 ans de la chute de son mur.